Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce 8e épisode de Ori and the Blind Forest. J'augmente un peu le son du jeu de mon côté. Et écoutez, nous sommes partis pour encore de la galère comme on a pu le voir avec le côté droit de l'arbre. Il faut savoir que le côté gauche n'a pas l'air d'être aussi simple, plus simple tout simplement. Il faut savoir aussi que j'ai mis du coup du montage dans le dernier épisode, dans l'épisode 7. C'est pour cela que du coup je vais continuer à mettre du montage parce que vu le niveau galère que ça va être à mon avis, ça va être assez particulier. Donc on a désamorcé le côté droite des ronces qui rongeaient le cœur de l'arbre de Gizo. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Gizo plutôt. Et là nous allons nous attaquer à celui du côté gauche. Ça a pas l'air d'être triste, donc on va voir. J'ai perdu les contrôles un petit peu depuis le temps. Ok, bon ça a pas l'air d'être triste, hein. Clairement. Ok. Ok. Je me fous dans la gueule du loup, y a pas de respect. Ah, c'est pas petit loup de touche en fait. Ok. Ok. J'imagine que. Ok. En fait, c'est fait exprès. Je vais peut-être me suicider histoire de récupérer toute ma vie quand même, faut pas déconner. D'accord. Tue-moi. Merci. Alors, je pense qu'il va falloir monter par en haut. On va voir quoi. Ok. Peut-être falloir monter là. Je ne sais pas. Ok. Ok. On va essayer de monter tranquillement. Alors ça a l'air d'être tout aussi compliqué. À mon avis, il va encore falloir faire un truc. Ah! Mais dis-moi, c'est cool ce que tu me proposes là. Bon, alors par contre, si je pouvais bien jouer. Est-ce que ça veut dire qu'un truc comme ça va suffire? Est-ce que ce serait pas genre 10 000 fois plus simple? Est-ce que c'est pas genre 10 000 fois plus simple que le côté droite qu'on a fait et qu'il n'y aura pas du tout de montage? Mon Dieu! Je suis agréablement surpris parce que dans l'épisode précédent, on l'a vu clairement, j'ai bien galéré. Or là, pas du tout. C'est assez marrant, tiens. Il faut pas que je confonde le X et le Y. Alors, faire croix pour écouter Sane. Il nous restera ensuite que deux autres éléments, parce qu'il faut savoir qu'on a fait un quart du jeu. J'ai regardé, on est à 25%. Donc, je crois que c'est une cinématique, je vais me taire. What? D'accord. Ok, on est sur de l'action là. D'accord. Ok, on va essayer de sauvegarder en passant. C'est de l'action qu'il nous faudra ici. Ok. On est parti sur de l'action. Là, on s'en fout un peu de lui. C'est pas grave. On fait comme si j'étais passé. Ok. Ah d'accord, tu ne veux pas m'aider. Ok, on est là. On y arrive à peu près pour l'instant. Ok, on y arrive. Alors là, je commente pas trop parce que oula, le jeu lag. Le jeu lag, il y a trop de trucs là. Ok. Non!
Ne me dis pas qu'il faut que je recommence tout. Ok, non, c'est bon. J'ai eu peur. Ok, c'est chaud, mais ça passe. Ok, ça y est, on commence à faire du mauvais jeu. Ok. Oh putain, mais... Mon dieu, ce non-jeu. Ok. J'ai fait le tout du premier coup, sinon... On dirait que là, c'est parti pour ne pas l'être. Toi, je m'en fous de toi. Alors, si on se faille le pas. J'étais presque en plus. Allez, on n'attend pas la mort. Et bah si, là j'ai attendu la mort carrément. Je fais une petite compile, je pense. Hein. Mon dieu. Ok, il y a encore moyen de la voir. Ok. Ah ok, en gros je me prends la tête alors que j'aurais pu tout simplement monter sur le mob, ok. Autant pour moi. Non! C'est pas grave, on va la voir. Ok, je me prends des dégâts mais je monte quand même, c'est pas grave, allez. On fait comme si de rien n'était. Ok, lui je l'ai loupé, c'est pas très grave. Ok. Ok. Quelle vie. On y réussit. C'était moins une, comme nous le dit le succès. Mon dieu. C'était encore périlleux là. Je commence à galérer vraiment sur sur la jouabilité, mon dieu. Mon dieu, en plus c'est des erreurs connes que je fais, c'est incroyable. Je ferai une petite compilation de ce passage hein, parce qu'il y a quand même des moments marrants. Enfin, je vous laisse. Là c'est une cinématique. Bordel, mais c'est le grand méchant. Ah, c'est celui qui nous a donné l'orbe tout à l'heure. Finalement, t'es sympa, tu vois. Waouh. Ok, il s'appelle Gumo alors. Il y a Gumo et Kuro. D'accord. Oh, de l'eau. D'accord, ouais. Donc on a fini l'arbre de Gizo, maintenant on va aller dans les bois brumeux qui... D'accord, c'est ici. Le moyen le plus rapide d'y accéder, je pense que c'est en passant par ici à mon avis. Ouais, il y a que par ici qu'on peut y accéder à mon avis. Parce que par là c'est fermé. On a quand même déjà exploré un petit peu, hein. C'est...
Et on est ici. Ah oui, d'accord. Oh oui, on va devoir faire un bon petit... Ah, j'ai envie d'aller dans l'eau, on peut aller dans l'eau? Non. Écoutez-moi cette musique. Le petit marimba qu'on entend au fond. C'est plutôt clairement une belle ambiance, hein, quand même. Faut pas se leurrer. En tout cas, voilà, on a fini un petit quart du jeu maintenant. On est sur de petits let's play avec des petits épisodes, hein. Je le dis et je le redis encore. Mais ouais, c'est sympa. C'est clairement sympa. On va donc aller. On peut aller par ici. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Est-ce que c'est pas par ici qu'il faut aller? Mais bon, on va aller voir quand même ce qu'il y a. Ouais, c'est pour ça. Lui, Gouro, donc, est parti par là. Gouro, c'est celui qu'on a sauvé. Ou Goumo plutôt. Goumo, c'est celui qui nous a sauvé. Donc, la petite bestiole avec des grandes pattes nous a sauvé. Et on peut sauvegarder. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va ouvrir et voir les arbres de compétences qu'on peut débloquer. Lui, il faut 2 points de compétences. Ici, il en faut un seul. Et là, il en faut deux. Donc, bah écoutez, occupons-nous de ça. Ah oui, on peut attaquer sous l'eau, moi je suis con. Ah ok, on appuie sur A, ça met une espèce de boost. C'est sympa, ça va nous mettre des niveaux aquatiques. Et la barre est clairement sympathique. Ok. Le bruit de l'eau. Désolé, hein, mais tout dans ce jeu est magnifique. Attends, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'il peut venir nous voir? Est-ce qu'il peut nous défoncer dans l'eau? Non, il peut pas nous. D'accord. On s'en bat les couilles. Ah mais calme-toi toi. Comment je te défonce? Mais je peux pas te tuer ou quoi? Mais comment je fais pour te tuer? Ah bah voilà. Je meurs. Ok, c'est pas grave. On est reparti. De toute façon, là, on est sur un petit. On est après un combat, après un gros combat, on peut se permettre de faire un petit peu. Mais je veux te faire venir, moi, viens! Je veux te faire tomber dans l'eau, moi! Ok, bon. Regarde, je vais rester dans le bord. Donc, oui, on redébloque cette zone. D'accord, non, mais refais. Oh là 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 là, mon dieu, mais je ne sais plus jouer, c'est terrible. Mais je saute même pas assez haut, what the fuck? Ah mon dieu! Sauvegardons, hein, parce que j'en ai marre de crever. Bon, allez, vas-y, fais-moi crever, voilà. Mon dieu, mais il est chaud à battre, c'est pas possible. Mon dieu. Mon dieu, mais c'est quoi ça? Par contre, on peut toujours pas le détruire. Hein. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se téléporte, c'est obligé. Ah. On arrive dans une zone cachée. D'accord, qu'y a-t-il par là? Rien, j'ai... Ah, d'accord. Je suis nulle part. Mon dieu. D'accord. Bah, en tout cas, j'espère que vous appréciez la série. Hein. Moi, je kiffe bien. Et je crois qu'on ne peut pas venir tout ça. En fait, je crois qu'on va devoir débloquer un pouvoir pour tout ça. Et bah, comment on va faire pour retourner Est-ce qu'on peut se téléporter au moins? Est-ce qu'il y a un endroit où se téléporter? En tout cas, ça nous affiche les endroits et tout. C'est marrant.
Je pense qu'on va devoir aller sous l'eau. Par contre, j'ai vu un truc. C'est par en dessous là, mais on peut pas y aller. Donc bah écoutez, je crois que de toute façon, on va devoir... Allez, je pense qu'il faut passer sous l'eau. Ok, on se dépêche. Ok. On a le petit bruit à chaque fois de Ori qui... D'accord. Oh, tu me refais faire tout. C'est sympa ça. Je devrais sauvegarder un petit peu quand même. Faut que je reprenne l'habitude de sauvegarder, c'est une habitude que je perds souvent. Ok, bon, de toute façon, il nous laisse tranquille. Ok, on se dépêche. Ok. Donc c'est là. D'accord, merci beaucoup. On sauvegarde de temps en temps, parce que là j'ai plus que 2 points de vie aussi, ça joue peut-être. Voilà. Ça ne marche pas. Mais je vais y arriver, hein, vraiment. Bon bah je vais y arriver un jour, il n'y a pas de souci. Voilà. La bonne joie. Hein. Et comment je fais pour... Ah d'accord. On a un lien d'âme de près. Et le reste, on l'utilise. Waouh! Je suis bloqué, moi! Je fais comment? Mon dieu, je suis bloqué! J'ai bloqué le jeu! Définitivement. Mon dieu. Ok, j'imagine que je ne peux pas... Bon bah je sais pas comment je fais. Hein. Ah bah voilà. Mon dieu, j'ai cru que j'étais bloqué pendant un moment. Là c'est du non-jeu hein, que je vous fais, je suis vraiment désolé. En tout cas j'espère que je vais réussir à un moment donné à un peu mieux jouer que ça parce que... On est parti pour très mal jouer. Par contre, maintenant, comment je fais pour monter toujours? Je peux-t-y monter encore ou pas? Comment on fait? Moi, je veux bien... À moins qu'on ait débloqué quelque chose à un autre endroit, non, je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Mon dieu, mais comment on va faire? On est un peu bloqué là. Hein. Donc, ok, on va récupérer ça. Je pensais qu'il faut qu'on revienne... Après oui, c'est un service de vase communicant, donc je ne sais pas trop comment faire. À mon avis, il faut repartir par là. Ok, on va essayer d'explorer un petit peu par là. Il faudra aller plus en profondeur, je pense. Ok. Ok, c'est pas grave. On peut sauvegarder dans l'eau? Non. Ok. Bon bah voilà, hein, comme ça c'est fait.
On va reprendre ça. Et on est reparti. On est reparti. De toute façon, je vais faire un minimum de montage, je pense, dans ce genre de... Dans les épisodes maintenant, parce que je crève quand même pas mal souvent. Parce que je fais des erreurs connes, putain. Ok. Déjà, on arrive là. Ensuite. Ok. Ok. On vient là. On prend ça, c'est cadeau. On va aller ici, je sais pas ce qu'il y a, mais... Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était un petit épisode 8 assez sympa. Je pensais qu'on galérerait plus sur la côté gauche de l'arbre qu'on a vu au début d'épisode, mais pas du tout. Donc bah écoutez, tant mieux pour nous. Ça nous permet de continuer tranquillement dans cette ambiance plutôt posée et calme. Je joue pas très sérieusement pour l'instant parce que bah, l'ambiance est sympa et j'aime bien découvrir un petit peu parce qu'on change un petit peu de l'arbre, du vertige et tout. Là, on a débloqué l'eau. L'eau dans cet épisode. Comme je le mettrai en titre d'épisode, l'eau. C'est la vie, comme dirait un grand philosophe qui est Jean-Claude Van Damme. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit épisode 8. Et puis on se retrouve très vite dans l'épisode 9, écoutez, logiquement. En tout cas, passez une très bonne fin de journée, une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. C'était Aquak. Sayonara!